vite, vite les balades, hein, on vous attend, vite, vite, vite les balades, hein, c'est le rassemblement. Vite, vite, vite les balades, hein, on vous attend, vite, vite, vite les balades, hein, c'est le rassemblement. Hey, salut les baladins! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire s'intitule La rencontre de Craquelin et d'Anna. C'était il y a très longtemps. Craquelin, le vieil artiste, était encore jeune. Il faisait son premier tour du monde en roulotte. Par un bel après-midi, il décide de se reposer au bord d'un chemin. Il sort alors ses cartes pour construire de grands châteaux. Soudain, un grand souffle fait voler les cartes dans tous les sens. Patatras ! Tout est fichu ! C'est bizarre, il n'y a pourtant pas de vent aujourd'hui. Les herbes bougent dans tous les sens. Craquelin entend un rire très bruyant. Qui ose se moquer de lui d'une telle façon ? C'est une jument ! Et elle n'en finit pas de se tordre de rire et de se rouler dans le pré. « Tu n'es pas très poli, » lui dit Craquelin. « Mais voilà qu'elle rit de plus belle. » C'est alors qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de se fâcher, Craquelin se met à rire très fort lui aussi. « Après tout, ce n'est qu'une bonne farce. « Comment t'appelles-tu » demande Craquelin. « Je ne sais pas si je dois le dire. C'est compliqué. C'est un nom un peu bizarre, un peu difficile à prononcer. »« Comment peut-on ne pas oser dire son nom ?» se demande Craquelin. « Je m'appelle Anaphylactique. »« Anana... Nana quoi ?» Craquelin n'arrive même pas à prononcer le nom de la jument. « Bon, essayons. Analphabète, ananas... » Ah là là, c'est trop difficile. Craquelin a une idée. Il suffit de trouver un diminutif. Anna, c'est joli, non ? C'est pareil, en plus court. Anna, la petite jument, c'est tout à fait charmant. Peu à peu, tous les deux se racontent leur vie. Anna décide d'accompagner Craquelin dans ses voyages. En route, Anna, le monde est grand. Partons le découvrir ensemble. Depuis, Craquelin et Anna ne se sont plus quittés. Les baladins se donnent toujours la main. Ils apprennent à vivre ensemble tout le long du chemin.